Qu'est-ce que tu cherches? Le dossier de Lucie Davis, il est plus là. Il y a une prophétie qui parle d'un coffret. Et de trois personnes. Ah, une cape coupe flamme. J'ai tué ma mère à cause de ça. Tu as tué ta mère parce que tu as peur de tes pouvoirs. Jeanne, renonce. Je suis désolée, mais je sais exactement ce que je dois faire. Ah, très bien. Où est le coffre? Que voulez-vous dire quand vous dites que la clé m'a été donnée? Oh, mais nous ne vous avons pas encore présenté notre prestigieuse invitée. Bonsoir, Sarah. Bonsoir, Sarah. Quoi? Tu m'as menti? Mais tu m'as dit que tu connaissais Dumbledore? Ça n'a rien de personnel, c'est que du business. Je crois que j'ai la référence. Pas moi. Bah si. Non. Maintenant, ouvre ce coffre. Je peux pas, j'ai les mains ligotées. Mais qu'est-ce que c'est que ces préjugés? Jeanne, peux-tu venir s'il te plaît? La voilà, le phénix. Oh non, voilà L'Oréal. Sarah, arrête, je peux pas. Maintenant, l'ancien, tu vas nous lire ça. Qu'est-ce que c'est que ça? La sorcière écarlate. Ah, c'est la fille qui est comme ça, là, avec ses doigts. Eh bien, cher Phénix, je crois que c'est le moment de faire vos preuves. Je t'avais prévenu. C'est une propriété privée. Tu as épuisé ma patience. Mais j'espère surtout que tu comprends bien. Que même maintenant, ce qui va se passer, c'est ce que j'appelle être raisonnable.
Décide-toi maintenant. Reste avec eux et meurs, ou choisis le bon côté. Pensez vraiment être du bon côté. Tu ne sais rien de moi. Wanda. Vision. Tu peux rejoindre ta famille maintenant. On en était où? Wow, oui, excusez-moi. Maintenant, tu vas nous lire ça. Vous pensez vraiment que... Impero. Latitude 26.011200000, longitude moins 80.149.4900. Très bien, nous y voilà. Où ça? C'est une image, une expression. Bref. Qu'est-ce qu'on va faire de cela maintenant? C'est la fin pour vous. Nous vous offrirons une meilleure histoire. On peut discuter? Salaud! Adieu, Eleanor. C'est vous qui l'avez tué! Elle a compris. Où sommes-nous? Chez moi, en sécurité. Et comment on est sorti de là-bas? Je suis venue vous chercher avec ma cape coupe-flamme. Vous vous souvenez? Et que s'est-il passé là-bas? Le clan des damnés a tout ce qu'il voulait en sa possession. Le phénix et la localisation de ce qu'il cherchait. Miséricorde. Mais on peut encore les arrêter. Et comment? Comment tu comptes faire ça? Eh ben t'as qu'à crier plus fort, peut-être que ça leur donnera envie d'arrêter. T'as raison, oui. Peut-être. Eh ben oui, faisons comme ça, oui. Eh ben d'accord. Voilà. Très bien. Voilà. Ok. Ok, on fait comme d'accord. Ça. Et oui. Si on leur prenait le phénix? Oui, mais vous avez bien vu qu'elle veut rester avec le club des damnés. Mais si on la forçait? C'est Jeanne Grey, le phénix. Elle vous détruira. Et c'est Barnabé, la passoire. Qu'elle essaye pour voir.
Et elle va rester combien de temps comme ça? Off. Le somnifère devrait tenir quelques heures. Eh bien, je ne vois pas de mur. Olivia, faut que je vous parle. Qu'y a-t-il ? Regardez par là, ma chère. Que voyez-vous ? Des champs. Précisément. Où est le mur ? Il devait être là, les coordonnées disaient que c'était censé... Je pensais pouvoir vous faire confiance. C'était une erreur. Ça n'arrivera plus. Olivia ! Si elle se réveille, on est tous morts. Il faut qu'on trouve une solution. Je crois que j'en ai une, messieurs. Nous avons quelques heures avant qu'elle se relève. Le choc a été violent. Olivia est morte et les coordonnées étaient fausses. Mais elle nous a laissé ça ? Ses souvenirs ? Scully ? Je crois qu'on y est. C'est la vérité cette fois. Ans. Elle a besoin de grandir dans des conditions convenables. Et votre mari vous a rien laissé ? Le procès nous a ruinés. On n'a plus rien. S'il vous plaît. Vous aurez le nécessaire pour vous acheter une maison. Vous avez 10 ans pour me rembourser. Dumbledore. Mais tu m'as demandé, Olivia ? Elle l'a fait ! Lucie, elle allait voir le baron. Oh, c'est une erreur regrettable de sa part. Elle est sous contrat maintenant, elle ne pourra plus y échapper. Elle l'a fait pour sa fille. Je lui ai dit de pas aller le voir. Mais elle m'a pas écoutée.
Tu ne peux plus rien faire pour elle désormais. Dumbledore, je vous en prie. Je ne vois qu'un seul moyen. Mais tu devras faire précisément tout ce que je te dirai. Tout ce que je voudrais. Une certaine Gillian Scully a rejoint un agent nommé David Mulder. Ils sont à la recherche de la vérité. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Protégez-les de cette vérité le plus longtemps possible. Mais laissez-leur des pistes. Olivia, je ne pourrai plus vous voir qu'une seule fois après cette entrevue. Comment ça ? Mon temps est venu. Nous savons tous deux maintenant que le club des damnés cherche le coffret. Mais ils ne peuvent pas le trouver tout seuls. On pourrait alors imaginer qu'ils se tourneraient vers vous. C'est vous qui devrez les aider. C'est le seul moyen pour donner aux agents une chance de gagner. Je sais. Tout ça pour une question de dette qui a pas pu être remboursée à temps. Qu'elle l'ait payé à temps ou pas, cela n'aurait rien changé. Il aurait tout de même pris sa vie. Comment ça ? Lorsque le baron passe un marché avec quelqu'un, lorsqu'il réclame une dette, ce n'est pas de l'argent qu'il prend. Ce sont vos vies. Il contient les âmes de tous ceux avec qui il est en contrat dans son collier. C'est grâce à ça qu'il survit. Alors, il tient ma vie ? Oui. À chaque fois qu'il fait ça, une part de son âme va se loger dans la personne avec qui il est en contrat. Autrement dit, si son corps est détruit, il survit à travers l'autre personne. Donc, pour le tuer, je devrais mourir ? Sauf si vous n'avez pas besoin de le tuer. Sauf si vous arrivez avant eux. Arrivez où ? Le moment viendra où il faudra révéler certaines choses aux deux agents. Mais vous devrez attendre le dernier moment. Révéler quoi ? Il y a des années de cela, lorsque l'agent Doc est allé dans l'espace pour récupérer la peau de banane, le 20 mars 2019, à ce moment précis, le quatrième mur s'est fissuré. Oh, ce n'est pas par hasard si je suis là. Ce n'est pas par hasard si des super-héros combattent des sorciers ou des agents du FBI. Nous ne sommes que des personnages fictifs. Des morceaux de films ou de séries qui n'auraient pas dû être libérés. Et ce que veut le club des damnés, c'est trouver le mur pour le briser et devenir les scénaristes de notre histoire à tous. Mais si on répare le mur, alors tout reviendra dans l'ordre. C'est ce que les deux agents devront faire. Oui, c'est le seul moyen pour éviter le chaos. Vous avez attendu que je fasse tout ça avant de me le révéler. C'était le seul moyen, Olivia. Si vous tenez toujours à les vaincre. Expecto patronum. Lucie. Tout ce temps. À jamais.